Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va parler de la force fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça, la force fonctionnelle? Alors, avant de vous expliquer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Et donc là, justement, aujourd'hui, je vais vous parler de la force fonctionnelle. C'est un intitulé que j'utilise beaucoup dans mes séances sans forcément mettre ce terme. Force fonctionnelle, c'est quoi? C'est transférer sa force dans un mouvement du quotidien, dans un mouvement réel, dans un mouvement sportif. D'accord? Je vais vous expliquer ça. Alors, on est parti ici, par exemple, sur le développé couché. Vous savez, le classique, on a les genoux sur le banc. On a la barre et on va chercher à pousser. Là, on va travailler la force pure sur les pecs. Donc, on est allongé, je le répète, on est allongé, on positionne bien ses pieds au sol et on va chercher à pousser fort. Dans une version réelle, dans la vie réelle, vous n'êtes pas allongé pour pousser quelque chose, vous allez vous mettre debout. C'est là où je vais faire appel à la force fonctionnelle. C'est-à-dire ici, par exemple, avec les élastiques, un mouvement que je vous montre beaucoup. Si je sais utiliser que les pecs, j'exagère, il y a quand même la position des pieds pour bien stabiliser, le gainage pour pas perdre en transfert de force. Mais si je ne sais pas transférer ça en position debout, debout, quand je vais chercher à pousser quelque chose, je peux être très fort des pecs, mais si je ne sais pas bien utiliser mes jambes, voilà, je suis embêté, je trouve l'élastique trop dur, voilà, j'arrive pas à me stabiliser. Pourtant, l'élastique là, c'est pas hyper, il n'y a pas énormément de tension. Déjà, c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Là, je vais devoir faire appel, pas qu'à mes pecs, mais à ma posture, mon positionnement, c'est-à-dire écarter les jambes. Là, je me mets un peu plus loin tout à l'heure pour vous montrer. Hop, là, j'écarte bien les jambes. Ici, je suis droit, je gaine bien. Et là, vous voyez, je stabilise le mouvement grâce à ma position des jambes. La jambe avant fait contrepoids. Ce qui est important, c'est que mon bassin est le plus bas possible du sol. Ici, les jambes très écartées pour résister. D'accord? Donc, j'ai su placer mes jambes pour pouvoir utiliser la force que j'ai prise dans les pecs, dans mon mouvement, pour résister à une tension arrière. Par exemple, je veux pousser quelqu'un, je veux pousser quelque chose. D'accord? Donc cette chose que je veux pousser, j'ai pas le choix d'être fort sur les jambes. Autre exercice, autre exemple. Par exemple, le rowing à un bras, vous connaissez ici, pour moi, là, on va chercher à tirer, vous savez, là. Un exercice idéal pour cibler le dos. D'accord? Super exercice, c'est vraiment un super exercice. Par contre, position debout, mouvement qu'on appelle aussi le bûcheron. Position debout, je veux tirer quelque chose. Ok? Par exemple, avec deux mains, je veux tirer quelque chose. C'est le même principe que tout à l'heure. Si je ne sais pas installer, moi je ne suis pas très loin. Si je ne sais pas si je veux tirer quelque chose, voilà, je ne sais pas installer mes jambes, je ne sais pas installer mon dos. Là, je vais être comme ça, je ne suis pas bien. Donc, ici, là, je sais placer mes jambes, mon gainage pour tirer quelque chose. Là, vraiment faire appel à mes jambes pour m'aider dans le mouvement. Après, en fonctionnalité, je peux m'aider du bassin ici, me redresser et tirer. Mais pour réussir à faire ce mouvement-là, il faut que mes jambes, j'ai bien intégré la flexion des jambes et la force dans les jambes. Si je n'ai pas bien intégré le mouvement, que je fais ça et que je tends les jambes en haut du mouvement, j'y arrive pas. La fonctionnalité fait que là, je garde les jambes un peu fléchies pour me stabiliser et je tire. Ce qui va me permettre de déplacer quelque chose vers moi. D'être fort quand je vais tirer quelque chose vers moi, pas juste les bras, que mes jambes vont m'aider. Là, je pense à des mouvements unilatérales, les jambes vont m'aider. Un peu pareil pour les mouvements de jambes, très intéressant. Les squats, les fentes, c'est des mouvements de base qui vont permettre d'avoir énormément de force dans les jambes. Le dos aussi, parce que les squats, les fentes, il y a la stabilisation, les muscles des fessiers, les lombaires, le gainage travail. Mais dans une position de force verticale. Les haltères, c'est vertical. Si je veux pousser quelque chose en avant, par exemple, là, rien de mieux que les élastiques. Ici, j'ai une force arrière, d'accord? Je prends les élastiques. Là, par exemple, j'ai besoin de pousser en avant. Ici, en fente. Et là, j'avance, tac, et je résiste. Ici, la poussée est arrière, et je pousse, clac. Ici, à chaque fois, je stabilise un petit peu pour montrer que je suis stable sur le mouvement. Donc, j'avance un peu plus pour mettre un peu plus en galère. Ici, là, j'avance le genou, je pousse, hop, là, et je résiste. Gros travail de gainage. D'accord? Ça me demande de la force en poussée un petit peu diagonale. Voilà ce que j'appelle force fonctionnelle.
mouvement fonctionnel pour pouvoir être fort, pas que dans un sens, d'accord? Les haltères nous permettent d'avoir une force de base, je ne sais pas si on peut dire de base, une force générale, d'accord, sur un mouvement spécifique, vraiment acquérir beaucoup de force avec les haltères, mais le problème des haltères, c'est que le mouvement, il est vertical, d'accord, la gravité fait que ça va vers le sol. Les élastiques, on peut avoir une force un peu plus variée, verticale, un peu en diagonale, avec des angles un peu différents pour être fort sur différents angles. D'accord, force fonctionnelle, c'est ça, c'est utiliser cette force dans différents angles, c'est surtout ça. C'est pour ça que je vous invite beaucoup à utiliser l'élastique, c'est pour ça que je parle beaucoup d'élastique, parce que c'est ce qui permet d'être le plus complet, le plus riche possible. Voilà, j'espère que vous avez vu un peu plus ce que c'est et surtout ce que ça vous a attiré vers ce genre de style de musculation. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous invite à aller voir le webinaire ici en vous inscrivant juste ici sur ce lien pour accéder au webinaire sur les meilleurs exercices avec élastique où on voit l'exercice ciblé, fonctionnel et athlétique. Ok, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.